Bonne année. Bonne année. Allô? Bonne année, connard. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans les Cousins Font Leur Cinéma. Et donc là, c'est la suite de la première vidéo qui était les tops 2017. Là, on enchaîne sur nos flops 2017, chacun. Alors, on va pas commencer en fait par le gros du morceau, quoi. Voilà. On va juste, là pour l'instant, énumérer des films qu'on n'a pas aimés, sans entrer dans le top. Et le top, sans entrer dans le flop. Là, juste pour l'instant, c'est juste les autres films qu'on n'a pas trop aimés. Juste pour vous prévenir, on ne va pas parler des films, des comédies françaises qui sont sorties cette année, style Alibi.com, À bras ouverts, les films avec Danny Boone, tout ça. Bon, parce que dans ce cas-là, on remplirait un flop 10 juste avec les comédies françaises qui sont sorties cette année. Donc, on va même pas parler de ça. Je vais même pas parler de 50 nuances plus sombres, tout ça. Des films qui sont tellement évidents. Enfin, je veux dire, c'est tellement des naftous que, c'est des films pour nous presque hors compétition pour le flop. Donc, on va surtout parler des films qui nous ont énormément déçus, qui avaient limite presque un potentiel pour être des bons films, mais qui sont avérés très décevants, qui sont avérés mauvais pour nous, quoi. On va d'abord énumérer les films qu'on n'a pas aimés cette année, qui ne font pas partie du top du flop 5. Donc je te laisse commencer, vas-y. Bon, alors moi j'ai envie de dire tout de suite Justice League, que je déteste pas, hein, mais clairement pour moi c'est un flop. On en avait parlé, moi je l'avais défendu à l'époque, c'est vrai, je suis revenu, c'est vrai, sur ma décision, vous pourrez lire ça dans les commentaires, du fait que le film il est complètement hybride, quoi, dans le sens où il y a deux réals, il y a Zack Snyder, il y a Joss Whedon, pour moi c'est plus un film de Joss Whedon à y repenser, je le déteste pas, mais ça aurait pu être tellement mieux, quoi, ça aurait pu être tellement énorme, mais pour moi ils se sont foirés, ils ont foiré sur énormément de tableaux et pas que sur le fait qu'il y ait eu deux réals, quoi, voilà, c'est bien ce que je me suis évertué à te dire pendant la critique. Alors, Seven Sisters, Loving, Valérian, Thor Ragnarok. Donc moi, les films que je n'ai pas du tout aimés cette année, mais qui ne font pas partie des pires pour moi, il y a Alien Covenant, Spider-Man Homecoming. Et donc voilà, je m'aperçois que j'ai pas vu beaucoup de mauvais films, quoi. Je suis pas allé voir les Power Rangers, j'ai pas vu les nouvelles aventures de Cendrillon, j'ai pas vu... j'ai essayé d'éviter un petit peu comme ça, de slalomer entre les naftous. Ça, c'est les autres films que je n'ai pas aimés, mais qui ne sont pas aussi détestables que ce qui va suivre. Donc, on va commencer par le numéro 5, c'est-à-dire que le numéro 5, c'est pas forcément le plus détestable. Donc, sachant qu'on va du 5 au 1, et le 1 est le plus hardcore, le plus détestable et tout ça. Voilà, comme sur les tops. Alors, moi, je commencerai numéro 5, Gardien de la Galaxie 2. Voilà, film que j'ai détesté, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à aller au bout. Le début était plutôt sympa, notamment sur l'intro avec petit bébé Groot ou je sais plus comment il s'appelle. J'ai trouvé ça plutôt sympatoche, mais alors après c'est une accumulation de conneries, de vulgarité, de volonté de pas prendre les choses au sérieux. Et on est encore dans cette ligne éditoriale Disney-Marvel, moi qui me saoule au plus haut point. J'ai envie de te dire que la Gardien de la Galaxie 2, on est le total représentant, de toute cette espèce d'état d'esprit. On prend tout par-dessus la jambe et tout ça, et on fait des blagues pipi caca à la con, voilà. Donc Gardien de la Galaxie 2 pour moi. Numéro 5 pour moi, Thor Ragnarok. Alors, on avait déjà critiqué le film. Donc pareil, on est toujours dans cette ligne éditoriale Disney-Marvel où effectivement on ne prend plus rien au sérieux, on a une approche hyper cynique des choses. On déconstruit tout, tout est sacrifié sur l'autel de la blague. Et moi je me suis énormément ennuyé devant Thor Ragnarok, c'était pas assez drôle pour que ça me divertisse. Voilà, à la limite le mec aurait poussé le bouchon plus loin et aurait fait une vraie parodie à la Zucker Abraham Zucker, là ouais j'aurais été client. Mais là comme ça le cul entre deux chaises, ça essaye quand même de raconter une histoire, ça essaye de nous intéresser sur une intrigue, sur un enjeu. Je me suis complètement ennuyé. Ça ne me plaît pas du tout, ça a beau être super bien fait les effets spéciaux, tout ce que tu veux. Les blagues, comme tu dis, pipi caca prout, de voir Hulk avec sa serviette de bain, tout ça, je sais pas, moi, ça me fait pas rire, ça me divertit pas, ça m'ennuie, voilà. Donc,
Thor, Ragnarok, cinquième. Numéro 4, pour moi, ce sera La Belle et la Bête, toujours chez Disney. Hein. Oh là 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 là, ça va pas chez Disney en ce moment, sauf peut-être pour 2-3 trucs, mais allez. Ouais, donc La Belle et la Bête, pour moi, adaptation totalement foireuse, ratée du dessin animé, qui est pour moi chef-d'œuvresque un peu, voilà, qui est un chef-d'œuvre absolu. Typiquement, l'adaptation, pour moi, qui ne sert à rien du tout. Voilà, et on l'avait critiqué déjà dans une vidéo, on n'était pas d'accord, mais pour moi, c'est un des pires films que j'ai vu cette année. Numéro 4. J'aurais jamais cru prononcer ce film dans mon flop, et pourtant je vais le faire. Star Wars, The Last Jedi. Voilà, ouais. Voilà, ça a été la déception de l'année, voire la déception de la décennie. Alors effectivement, je suis un petit peu revenu sur ce que j'ai dit dans notre critique initiale du film. En même temps, quand on a fait la critique, on venait de voir le film la veille, quoi. Donc c'était vraiment un avis à chaud. J'avais pas forcément le recul nécessaire pour bien. T'avais envie de l'aimer. Bah j'avais envie. C'est normal, c'est un sentiment qui se comprend. Enfin on avait envie de l'aimer, quoi. En tant que fan de Star Wars, j'étais tiraillé. C'était un déchirement. Tu vois, je suis peut-être même passé par une phase de déni, tu vois. J'ose le dire. Mais parce que c'est un film que j'attendais, que je voulais à tout prix aimer. Je voulais que ça soit même le meilleur film de l'année. Je voulais qu'il soit nominé à l'Oscar. Je voulais tout ce que tu veux. Quand t'es fan de Star Wars, tu veux l'aimer ce film. Et après avoir laissé mûrir le film dans ma tête, après avoir repensé à certaines scènes, certains choix scénaristiques, le film a très très mal vieilli dans ma tête. De toute façon, avant d'être un Star Wars décevant, c'est déjà un mauvais film. C'est en plus un mauvais film. C'est déjà un mauvais film de par le scénario, de par l'écriture, de par les personnages qui ne vont nulle part, de par des situations qui ne vont nulle part, des twists qui servent à rien juste à surprendre, mais qui ne servent à rien, qui n'apportent rien, qui n'enchaînent sur rien, quoi. À partir du moment où tu mets le personnage principal de ton film qui est censée être l'héroïne de la saga, tu lui donnes un rôle hyper secondaire dans le dernier tiers de ton film où tu lui fais faire un truc hyper random, c'est-à-dire tirer des canons laser depuis le Faucon Millenium. Elle ne participe pas du tout au cœur de l'action, elle n'a aucun climax personnel, aucun climax émotionnel. C'est vraiment des erreurs scénaristiques de base. Et c'est assez hallucinant, quoi. Rian Johnson, il faut qu'il retourne à l'école pour savoir comment on écrit un scénario. Ça suffit pas de déjouer les attentes des spectateurs et de faire le malin, quoi. Il faut savoir écrire un bon script avec une puissance émotionnelle, avec un parcours de personnage. Là, il n'y a pas de parcours de personnage. C'est censé être l'héroïne de la saga, mais elle n'a pas bougé, quoi. Elle n'a pas bougé du début du film à la fin du film. C'est pareil. Donc voilà, et puis je comprends pas les gens qui peuvent défendre, qui aiment ce film, et qui, tu sais, il y a des gens qui aiment ce film, et qui reconnaissent que tout l'arc narratif de Finn et Rose est très bancal. Mais comment ils peuvent aimer un film en sachant ça, surtout que cet arc narratif dure au moins, je sais pas, 30 minutes dans le film, quoi, tu vois, c'est quand même une grosse portion du film. C'est comme si tu me disais, je sais pas, dans l'Empire Contre-Attaque, ouais, j'adore ce film, mais par contre, t'as toute l'aventure entre Han Solo et Leia, bon, ça, j'aime pas trop, hein, je trouve pas ça très intéressant. Alors que c'est un peu le cœur du film, quoi. C'est le cœur du film, enfin, tu vois, ça représente, c'est quand même une intrigue, une intrigue importante. Moi, mon sentiment sur ça, sur cette idée, c'est que je pense que Star Wars, il y a tellement de gens qui voulaient l'aimer et dont on faisait partie. Bien sûr. Mais nous, au moins, on a eu l'honnêteté, j'ai envie de te dire intellectuelle, tout de suite de dire, pas tout de suite, moi en tout cas, je l'ai eu rapidement. Toi, tu l'as eu rapidement. Toi, un peu moins vite, mais bon, tu l'as eu quand même, cette prise de conscience, de se dire, non, c'est pas bon. Non, non, les mecs. Et tous ceux que moi, je vois dans mon entourage dire, ouais, mais non, mais tu comprends pas, c'est un parti pris et tout. Moi, je pense que ces gens-là ont clairement envie d'aimer ce rendez-vous Star Wars et sont dans un déni total. Je ne peux pas concevoir que, en tant qu'admirateur de cette saga, on puisse aimer cet épisode qu'on voit tout par terre. Bon, moi, écoute, je peux pas. Voilà. Après, j'ai envie de chacun dire, fait ce qu'il veut. Non, mais chacun ses goûts. Mais s'il y a des gens qui aiment ce film. Non, mais à la limite, les gens qui me disent, écoute, moi, l'aventure Finn et Rose, moi, ça m'a plu. Oui, bon. Tout ça. À la limite, je les trouve cohérents, tu vois. Moi, je vais te dire juste une chose. C'est que j'ai remarqué que les non-fans de Star Wars, j'ai dit bien les non-fans, qu'on n'a rien à branler de l'univers, qui s'en foutent, en général ont aimé le film. Voilà. C'est vrai, mon entourage, et ça c'est la réalité. Mais va prendre des fans de la première heure, et qu'ils soient hardcore ou pas hardcore, jusqu'au boutiste, ils n'ont pas aimé. Voilà. Moi, je te le dis très clairement. Et franchement, moi voilà, quand maintenant du coup, comment je vois Rian Johnson, je le vois comme un gosse qui a cassé les Legos des autres. Quoi. Voilà. Oui, c'est-à-dire que si tu peux casser des codes, oui. Bien sûr, tu peux casser des codes. Et d'ailleurs, je voulais profiter de ça pour citer une analogie avec, par exemple, la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan. C'est-à-dire, Christopher Nolan, lui, oui,
Il déjoue les attentes des spectateurs et réinvente la saga Batman en te proposant mais quelque chose de, donc de différent, mais de mieux, de même mieux, de même mieux, plus intéressant. Et il casse pas un univers. Hein. Je veux dire, il le remet en question. Exactement. Et il propose quelque chose de beaucoup mieux, mais avec un respect des personnages, avec un respect de la Bible même, absolument, de la Bible même. De tout ce qu'a inventé Bob Kane, quoi. Et il te fait pas un espèce de travestissement total avec un truc qui n'a rien à voir, quoi. Ce qu'on n'arrive pas à faire, Ryan Johnson, je suis désolé. Ça suffit pas. Je veux dire, les mecs qui défendent The Last Jedi en disant ouais, mais attends, mais au moins il propose quelque chose de nouveau, il prend des risques, il y a des partis pris risqués. Bon, attendez. Partis pris risqués. C'est bien, partis pris risqués, mais est-ce que ça apporte quelque chose de meilleur, tu vois? Et en tout cas, pour nous, ça nous a pas convaincus. Alors, numéro 3. Dunkerque, pour moi, de Christopher Nolan. Pour moi, ça a été une déception totale. Une déception totale parce que je l'attendais un peu. Alors, au début, non, je l'attendais pas. Et puis après, je l'attendais parce que les bandes-annonces me chauffaient grave. Et je me dis, putain, la Seconde Guerre mondiale version Nolan, ça doit envoyer grave. Et alors, je suis ressorti, j'avoue que le film... Alors, je ne trouve pas que c'est un navet, mais je le mets dans le flop parce que je trouve que, pour le coup, pour moi, Nolan, il a fait absolument ce qu'il avait envie de faire, comme d'habitude. Je pense qu'il a pris des acteurs de haut niveau, c'est-à-dire que c'est quand même un mec, quand même un réal qui a la chance de pouvoir prendre du casting anglais, que moi, personnellement, j'adore, Cillian Murphy, Kenneth Branagh et tout ça, et je trouve qu'il n'en fait absolument rien, des personnages insipides, des personnages qui n'ont pour moi aucun intérêt, et puis surtout cette espèce de... Même Tom Hardy, j'ai envie de dire que Tom Hardy, que tu vois pendant 2 heures dans un cockpit d'avion, merde quoi, putain, alors que Tom Hardy, tu le vois dans Tabou, tu le vois dans Peaky Blinders et tout, putain, tu te prends de claques sur claques, et même quand tu le vois même dans Dark Knight Rises. Là, franchement, merde quoi, non. Moi, les parties pris risquées, là, pour le coup de Nolan, je suis désolé, ça a pas marché sur moi. Musique de Hans Zimmer, trop pauvre. Une grosse déception, c'est pour ça que je le mets dans mon flop, quoi. Voilà. Numéro 3, pour moi, Les Gardiens de la Galaxie 2. Donc, un petit peu comme toi, j'aime pas, encore une fois, on est dans cette approche d'humour qui me saoule, moi, dans tous ces films Marvel. C'est vraiment, je suis désolé, j'arrive pas à adhérer à cet esprit Marvel, quoi. Je sors du film, moi, ça ne m'intéresse pas. Au bout de 10 minutes, je commençais déjà à m'ennuyer, et je suis même parti avant la fin, quoi. J'ai raté les 5 dernières minutes, j'en pouvais plus, je me suis ennuyé de bout en bout. Ça ne me fait pas rire, ça ne me divertit pas, ça ne m'implique pas. J'en ai rien à faire, c'est que des blagues, c'est vraiment pas ma cam, donc pour ceux qui aiment, tant mieux, hein, mais moi, c'est vraiment pas ma cam. Les Gardiens de la Galaxie 2, merci, au revoir. Alors en 2, pour moi, Baby Driver de Edgar Wright, pour moi, c'est, alors, on n'est pas loin du navet, là, pour le coup, parce que c'est un film qui avait énormément d'ambition. Edgar Wright, c'est quand même un réalisateur que moi, j'adore, mais grave, voilà, je tiens à le dire. Et quand j'ai vu la bande-annonce, je me dis, putain, sympa et tout, Edgar Wright qui fait un film comme ça et tout. Et alors, la déception, mais alors totale. Avec un acteur anti-charismatique au possible, tête à claque, on a envie de le baffer dans tous les sens. J'ai trouvé que ce héros était insupportable. Pareil que Christopher Nolan et Edgar Wright, il réussit quand même à avoir un sacré casting. John Hamm, Jamie Foxx, Kevin Spacey et John Bernthal. Le mec, il a cinq acteurs de cette trempe-là et il fait de la merde. Et donc, il nous pond un scénario, mais alors, d'un cliché absolu qu'on a vu 100 000 fois, histoire de braquage et tout ça, mais il essaye d'enrober ça dans une espèce de délire musical, visuel, avec un espèce de montage incroyable, mais qui, pour moi, ne comble absolument pas les lacunes de ce scénario pourri, alors que les uns et les autres veulent chercher des explications psychanalytiques au personnage qui s'appelle Baby, non, c'est ça. Au personnage qui s'appelle Baby, franchement, arrêtez de vous masturber sur ce film. Pour moi, c'est une andouillerie. C'est-à-dire, pour moi, c'est peut-être la pire andouillerie de l'année, quoi. C'est-à-dire, vraiment, c'est un film qui ne mène à rien, qui ne raconte absolument rien et qui est juste une playlist d'iPod, quoi. Numéro 2, Justice League de Josh Whedon, Zack Snyder, du conseil d'administration voilà, de la Warner. Le premier film réalisé par un conseil d'administration chez la Warner. Voilà, Justice League, donc un film sans âme, sans saveur. C'est vraiment un film histoire de faire
d'appliquer la formule qui a marché pour Marvel avec Avengers. On essaye de rassembler tous les gros super-héros emblématiques et on raconte une histoire à deux francs avec le méchant peut-être le plus nul qu'on ait jamais vu depuis Bioman. Voilà, Superman, je l'ai trouvé ridicule. Les dialogues, c'était complètement pourri, c'était honteux limite. Quand t'as Clark Kent et Lois qui se retrouvent et que t'as Lois qui fait « ça fait quoi d'être de retourner à la vie ?» ça gratte. D'accord. Donc toi, First c'est... one, premier, ah ouais. Premier pour moi, ce sera Star Wars The Last Jedi, voilà, qui pour moi, voilà, c'est le plus gros flop de l'année. Alors, je vais pas répéter ce que t'as dit, hein, parce qu'on pense exactement la même chose. Moi, pourquoi je le mets en numéro 1 ? Parce que ça a été une telle déception, un tel coup de poignard, que vraiment là... On est dans un, comment te dire, c'est ça le problème, c'est que c'est pas le pire film en termes de film, bien qu'il soit très mal écrit et pour moi très mal réalisé, tout ce que tu veux, mais si tu veux, c'est vraiment le côté, on dirait un canular, quoi. On dirait, tu sais, qu'on nous a fait une blague, une mauvaise blague, et que tu vas le voir le film, et que le mec va te dire après, non, mais en fait, le film que t'as vu, c'était pas ça, hein. T'inquiète pas, on va te sortir un vrai film après. Non, mais c'est très bizarre. Enfin, je veux dire. Oui, un peu, ouais. Pour moi, c'est le pire hold-up de l'année, quoi. C'est-à-dire, et je suis obligé de le mettre en numéro un, parce que, bah, il y avait une telle attente, il y avait un tel truc, ou même moi aussi, même si j'étais méfiant sur la direction de la nouvelle trilo. Mais, tu te rappelles, dans la vidéo du 7, quand même, et c'est là où on passe pour des andouilles, c'est qu'on se disait, non, mais t'inquiète pas, de toute façon, le 8, il sera encore mieux. Il sera génial, parce que tu comprends, les secondes d'une trilogie, ils sont super. Et là, c'est peut-être le pire Star Wars qu'on ait jamais vu de notre vie. Non, mais comment on aurait pu imaginer que Rian Johnson c'est vrai que, voilà, allait voilà. saboter la, non, non, la là, saga C'est quoi. Vrai que c'était inimaginable, on pouvait pas le concevoir. Surtout qu'on entendait que des bons échos pendant tout le long de l'année, tu vois. On entendait que le scénario était incroyable. Ouais, voilà, c'est ça. Que chez Disney, que chez Lucasfilm, ils étaient tous très contents de Rian Johnson au point de lui confier une nouvelle trilogie. Voilà, donc on était hyper hypé, tu vois. On se disait, bon, le mec, il a dû faire un film est incroyable. Bon, c'est vrai. Bon, après, moi, j'ai toujours été méfiant sur le côté je suis seul, surtout sur un Star Wars, je suis seul au scénario et je suis seul à la réal. Enfin, en gros, je fais mon film d'auteur. Moi, j'ai toujours été méfiant. Mais je me suis dit, après tout, il peut y avoir le conseil d'administration derrière qui le recadre, qui machin, etc. Il va peut-être pas être seul à bord, etc. Mais en fait, on se rend compte qu'il a été un peu pas seul à bord, mais. Il a pas été seul à bord. Mais qu'il a fait un peu ce qu'il a voulu, quoi. Hein. Oui. Et que ça a été greenlighté, validé par Kathleen Kennedy, qui est pour moi autant responsable de cet échec total, mais terrible, et qu'il va falloir qu'il se l'avoue, là-bas. Et je pense que c'est panique à bord, là, ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a eu une de telles révoltes, une telle... Mais attends, j'ai jamais vu un Star Wars se faire défoncer autant la gueule. Et nous, on a été dans les premiers à le dire, quoi. Je veux dire, voilà, de dire que, hé, les mecs, non, quoi. Vous pouvez pas faire ça. Donc, pour moi, c'est le pire film de l'année, c'est Star Wars et Dernier Jedi. Et pour moi, le pire film de l'année, eh bien, je pense que vous avez peut-être deviné, c'est le film réalisé par Luc Besson, pardon, Valérian. Voilà, on avait déjà fait une critique là-dessus, que vous pourrez aller voir en détail. Voilà, on a déjà tout dit, mais Valérian, déjà, tu me mets un acteur de 16 ans et demi qui est censé être le sauveur de la galaxie. Bon, moi, déjà, j'arrive pas à y croire, ou alors tu me mets, si tu veux me mettre un héros ado, tu me le mets dans un autre contexte, quoi, tu vois. Je sais pas, tu me fais Retour vers le futur ou tu me fais un autre délire. Mais là, j'y ai pas cru deux secondes, le casting pourri, les dialogues sont nuls. Voilà, t'as beau mettre les meilleurs effets spéciaux réalisés par Weta Digital, tout ce que tu veux, ça ne vient pas rehausser les lacunes du scénario. Donc Luc Besson, il faut qu'il confie un petit peu l'écriture de ses films à d'autres gars, parce que lui, je sais pas, il n'y arrive pas. Avec ses 200 millions de dollars, il aurait pu, je sais pas, embaucher des scénaristes, une writing room, ou je sais pas. C'est un film qui est mal construit, qui est mal raconté. C'est-à-dire, t'as Luc Besson qui te met en place, si tu veux, une intrigue principale, et qui après, l'intrigue principale, tu la quittes pour aller dans une sous-intrigue avec une autre mission. Et ensuite, de cette mission-là, t'as encore une autre sous-intrigue dont tu te fous éperdument. Et donc, tu attends que cette petite intrigue à 2,50 francs se résout pour revenir à l'intrigue principale du film. Pire film de l'année. Voilà, donc ces deux tops sont maintenant terminés. On vous souhaite une très 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 bonne année 2018 en espérant à qu'elle soit meilleure en termes de cinéma, de tout, de séries et tout ça. On remercie beaucoup tous nos abonnés,
tous ceux qui sont abonnés, les anciens, les nouveaux, on a énormément progressé cette année, c'est vrai, hein, on a progressé assez rapidement. Nous, on existe depuis pas très très longtemps, et on s'est un peu faufilé comme ça, et franchement, on en est super content. On adore faire ça, et on adore vous nous suiviez, les commentaires, les machins, tous ceux qui nous suivent sur Twitter, qui nous laissent toujours des super messages, super gentils. Donc, on a envie de vous dire, merci beaucoup. Continuez à vous abonner, continuez à kiffer, à nous suivre, à nous relayer, à commenter. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, vous, quels sont vos pires films, vos 5 pires films de l'année. Ça nous intéresse de savoir, comme ça on pourra comparer, on pourra vous répondre, etc. Donc voilà. On vous retrouve prochainement dans une nouvelle critique vidéo qui arrivera sûrement la semaine prochaine avec un film un petit peu inattendu, vous verrez. Donc, à bientôt, merci et au revoir.